We will make America great again. We will make America great again. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo rapide. Pour fêter un événement. Cet événement, c'est que nous, les backers européens, sont en train de donc recevoir la vague numéro 2 tant attendue de Shadows of Brimstone. J'avais préparé de quoi fêter la quatrième année de retard, mais finalement, puisque la livraison était attendue en août 2014, donc j'avais préparé tout ce qu'il fallait pour fêter la quatrième année de retard, mais finalement, Shadows of Brimstone est arrivé un petit peu en avance par rapport à ce que j'ai prévu pour 2018. Voilà le fameux carton. Quelques extensions que j'ai commencé à transférer dans un autre bac de manière à contrôler tout le matériel reçu, puisque comme je le disais, beaucoup de matériel à vérifier, puisque on nous avait fourni cette liste lors de la réception des deux boîtes de base, donc une liste de matériel qui correspond au pledge, donc Minecart, une liste qui faisait vraiment saliver à l'époque. Mais je suis en train de vérifier tout le matériel, je coche au fur et à mesure, bien que je vérifie tout ça. Vous voyez qu'il y a trois pages de matériel, il me reste plus grand chose. Je pense que j'ai fait les trois quarts, il me reste les figurines de héros supplémentaires et puis du matériel des mission packs, quoi, principalement. De toute façon, cette vidéo n'a pas pour objet de vous détailler tout le matériel, c'était juste pour fêter un peu l'événement, fêter tout ce matériel pléthorique. Donc la boîte est encore, il y a toutes les boîtes retail qui sont encore là dans la boîte, mais là c'est simplement ce que j'ai commencé à vérifier. Donc chier de figurines, de matériel. Voilà, donc de toute façon ce que j'ai prévu pour quand même marquer le coup, c'est d'enchaîner avec un certain nombre de vidéos qui va présenter au fur et à mesure toutes les extensions. Finalement, on va le faire. J'avais pas tellement envie de le faire pour tout vous dire, mais finalement je pense que dans le courant de l'année, au fur et à mesure que je m'attaquerai à une petite extension ou une grosse, je vous la présenterai. Voilà. Quoi dire de plus? Je vais quand même remercier Flying Frog Production, non pas pour leur communication quand même qui a été exécrable tout au long de cette campagne, même si on peut comprendre qu'il y ait eu pas mal de difficultés, étant donné qu'a priori le minecart n'était pas rentable pour eux.
par rapport au prix qu'ils l'ont vendu. Bon, bref, on va pas faire l'historique. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente vidéo d'Endeavor. Endeavor, donc vous retrouvez facilement sur Internet, qui présente de manière très exhaustive et vraiment de manière passionnée ce jeu. Donc, je remercie quand même Flying Frog Production en tant que backer, simple backer, pour la qualité du travail accompli et pour tout ce matériel qui à première vue n'a pas été bâclé, même si ça a pris du temps pour nous le livrer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis on reviendra donc sur tout ce matériel. Voilà, à bientôt.